أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمي. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous souhaite la bienvenue donc dans cette nouvelle séance de la Sirah, la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui vous est présentée par l'Institut Nadwi. On était en train de parler des stratégies qu'ont mises en place les Quraysh pour empêcher le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire la da'wah. Et on parlait de Abu Talib, l'oncle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On disait que Abu Talib, il n'avait pas accepté l'islam. Imaginez un instant, parce que parfois on se pose la question, Abu Talib, il n'a pas accepté l'islam, il a fait tout ça pour l'islam. Imaginez un instant, si Abu Talib avait accepté l'islam, qu'est-ce qui se serait passé? Si Abu Talib avait accepté l'islam, qu'est-ce qui serait passé? Tout simplement, il n'y aurait plus eu de protection. Bismillah subhanahu wa ta'ala, bien sûr que le protecteur, le vrai protecteur, c'est Allah, mais le sabab. Eh bien, c'était Abu Talib. Si Abu Talib avait accepté l'islam et donc avait renié la religion des anciens Quraysh, les Quraysh auraient été obligés de le relever, de le destituer de son poste de chef, tout simplement. Et donc, la personne qui protège la da'wa du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devait en quelque sorte être un mushrik et un non-musulman. Il devait être le fils de Abdul Muttalib. Si Abu Talib, il devient musulman, les gens auraient été contre lui, ils le destituent. Et peut-être qu'à sa place, il y aurait eu Abu Lahab. Abu Lahab, il est à la place du prophète de Abu Talib. Si quelqu'un touche au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'Abu Lahab, eh bien, il n'aurait pas cherché revanche. Allahu a'lam. D'accord? Et donc, il a fallu que Abu Talib reste non-musulman pour pouvoir protéger le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça devait être lui. Ça devait être comme ça. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et Allah, il planifie les choses. Voyons la beauté de la planification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons aussi dans un hadith que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que parfois Allah, il protège sa religion en utilisant des mauvaises personnes. إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِرَجُلٍ فَاجِرٍ. Des personnes mauvaises, des personnes méchantes, et bien que Allah, il utilise pour protéger sa religion. Il y a des gens parfois qui ne sont pas bons fondamentalement, ce ne sont pas de bonnes personnes, mais ils font parfois de bonnes choses qui bénéficient à l'islam. Abu Talib était un homme bien. Abu Talib, c'était un homme bien, mais il n'en était pas moins un adorateur d'idoles. Et sachez que la plus grande des injustices de zulm, c'est le shirk. C'est associer quelqu'un ou quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Talib, il faisait cette chose-là. Et donc, il a été nécessaire à ce moment-là, à cette position, c'est tout. Khalas. Parfois, on a du mal à comprendre les sagesses d'Allah. C'est pas grave. Parfois, vous savez, il y a des sagesses d'Allah qu'on ne comprend pas. C'est normal. Ce sont des sagesses divines et nous ne restons qu'humains. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre la sagesse divine. La seule chose qu'on nous demande, la seule chose qui nous est imposée par notre shahada, c'est de savoir que tout vient d'Allah. C'est de savoir que tout vient d'Allah. Voilà, c'est tout. Et même dans notre ibadat, des fois, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on doit faire cela, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire cela. Ça ne fait rien. On ne nous demande pas de comprendre. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Nous avons écouté et nous avons obéi. Khalas. Khair. Nous avons vu la première tactique utilisée par les Quraysh. Passons maintenant aux autres tactiques que les Quraysh ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxièmement,
Premièrement, c'était d'aller voir plaider auprès de Abu Talib. Deuxièmement, c'était de lancer des fausses accusations contre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vis-à-vis du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous les connaissez en détail. Ils ont accusé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'être magicien, d'être sahir, de sorcier, d'être poète, sha'ir, de majnoun, de fou, d'être un menteur, d'être un conteur d'histoire, d'être un illuminé, d'être quelqu'un qui cherche le pouvoir, etc., etc., etc. N'a'ouzou billah. Ils ont essayé de calomnier le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de dire aux gens, attention, ne le suivez pas, c'est un magicien. C'est un sorcier, il raconte des histoires, il cherche le pouvoir, c'est un illuminé. On l'a accusé de tellement de choses. On l'a accusé de tellement de choses, na'ouzou billah, que on nous raconte que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait parler à une tribu, lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait faire la da'wa, eh bien, subhanallah, par exemple en période de hajj, toutes les tribus étaient là, toutes les tribus arabes. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Amina, est passé de tribu en tribu pour faire eh bien, la da'wa. Eh bien, il était la plupart du temps suivi par Abu Lahab en particulier. Abu Lahab, son oncle, et qui disait aux gens, ne l'écoutez pas, c'est mon neveu. Il est fou, il est dérangé, na'ouzou billah. Il est sahir, il est majnoun, il est sorcier, il est fou. Et ne l'écoutez pas. Vous savez, son oncle qui est censé le connaître, il passait derrière, il disait, il vous a dit des choses, surtout ne tenez pas compte. Subhanallah, arrêtons-nous un instant. Imaginons la peine et la tristesse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cet instant précis. Il connaît lui que la félicité, la réussite ne viendra uniquement qu'à travers la shahada. Que lorsque quelqu'un il aura le tawhid, il aura le bonheur éternel. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le savait. Et s'il allait voir les gens, c'était justement pour leur présenter cet islam, pour leur présenter le tawhid. Et derrière son oncle, quelqu'un qui est proche de lui, son oncle, il vient et il dit, eh bien, ne l'écoutez pas. Et son oncle qui se met à l'insulter dans ce processus de da'wah auprès des étrangers. Auprès des étrangers, mon oncle, quelqu'un qui m'est proche, il vient et il dit que ne l'écoutez pas. C'est pour cela que les savants disent qu'effectivement, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup souffert physiquement. Oui, c'est vrai, mais ne sous-estimons pas les souffrances morales du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dû subir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, un homme, un vrai homme, il est très affecté lorsque l'on touche injustement à sa dignité, à son honneur. Un homme, un vrai, il préfère parfois, très souvent, souffrir physiquement que de perdre sa dignité. Et là, en l'occurrence, on touche à l'honneur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup été affecté par ses attaques. Et beaucoup de versets makkis, beaucoup de versets qui ont été révélés à Mecca en parlent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande bonté, dans sa grande sagesse, rassure le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna kafaynaka al-mustahzi'in » « Nous prendrons soin de ceux qui se moquent. » Allah, il dit « Nous nous occuperons »« Inna kafaynaka al-mustahzi'in » « Nous nous occuperons de ceux qui se moquent de toi, ya Muhammad, oh Muhammad. » N'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et c'est un verset vraiment très puissant qui nous remonte parfois à nous le moral lorsque nous sommes victimes d'islamophobie, d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, et rappelons-nous, à nous de nous rappeler ce genre de verset lorsque les gens aujourd'hui, eh bien, ils essayent de ridiculiser le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, na'ouzou billah, ils se moquent, ils caricaturent le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, on ne peut rien faire. On va aller dans le système, on va rester dans le système. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la promesse. Inna kafaynaka al-mustahzin. Ne vous inquiétez pas. Faites ce qui est en votre pouvoir et Allah fera le reste. Allah s'occupera, Allah s'en occupera. C'est une promesse d'Allah. Inna kafaynaka al-mustahzin. Allah subhanahu wa ta'ala remonte en quelque sorte le prophète d'Allah, le moral du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple lorsqu'il dit Inna shani'aka huwa al-abtar.
Inna shani'aka huwa al-abtar. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ton shan, ya Rasulallah, toi, ta personnalité, c'est la meilleure. Il annonce au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, t'inquiète pas par rapport à ce qu'ils disent. Eh bien, il n'y a pas une once de vérité, il n'y a pas un atome de vérité dans ce qu'ils sont en train de dire. Et nous, pareil, faisons ce qu'on peut. Bien sûr, à chaque fois qu'on peut, eh bien, on va faire, on va protester, etc. Mais n'oublions jamais que Allah, il est là et que Allah, il s'en occupe. Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupe. Vous savez, par rapport à ces dernières choses, par rapport à ces accusations à l'encontre du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une chose qui nous interpelle à chaque fois. C'est que toutes les accusations que l'on retrouve de nos jours ou à travers l'histoire par, de la part des adversaires de l'islam, de la part des ennemis de l'islam, de la part des orientalistes sur la personne et sur la personnalité du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce sont exactement les mêmes accusations que faisaient les Quraysh à l'époque. Ils ne peuvent pas trouver d'autres charges, ils ne peuvent pas trouver d'autres accusations ou d'autres angles d'attaque. Tout a été dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à tout cela dans le Coran. Parfois ils disent qu'il a copié les anciens, il a copié les juifs et les chrétiens. Parfois ils disent que c'est un illuminé. Parfois ils disent que c'est lui-même qui a écrit le Coran. Tout ça, ça a été répondu par Allah et par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce dont on nous parle dans le Coran. Qu'il était un poète talentueux, qu'il avait, donc c'est lui qui a écrit, qu'il avait une imagination débordante, que d'autres personnes l'ont inspiré ou l'ont enseigné. Ça avait été dit à l'époque du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et c'est toujours les mêmes choses qu'on nous rabâche aujourd'hui. 14 siècles plus tard, 14 siècles se sont écoulés et les pauvres, ils n'ont rien trouvé de nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment un modèle pour l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des mauvaises choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'irrespect vis-à-vis du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jal nous permette de toujours rester respectueux à l'égard du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette, qu'Allah nous accorde la compréhension et le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Amin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fajzakum Allah wa barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيب الله يا رسول الله محمد.